Let me hop out the motherfucking Porsche. Les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Abeta Battlefield, hein, donc j'espère que ça vous plaira. Donc là, je vais aller dans la squad de l'équipe, donc je vais prendre la première. Je vais jouer en mode assaut, donc j'ai déjà pas mal joué à la bêta. Donc vous voyez, on peut débloquer les armes comme ça en faisant customiser. Là, j'ai la M18. Je vais plutôt prendre la... Qu'est-ce que je pourrais prendre plus? Je vais tester celle-là, je l'ai pas testée. Et voilà. Bon, on va les tester. Et je vais aller. Voilà. Je vais aller là. Donc, ce jeu est très déséquilibré comme ça, mais bon, autrement il est bien. Moi je fais éclate dessus. Ah le bâtard, il a pris le tank avant moi. Tiens, il y a un avion jazz qui passe plus le moment, je fais ma vidéo MDR. Attends, je vais prendre le A. Vous aurez vu un highlight juste avant normalement, si je l'ai fait. Et je l'aurais fait je pense ou pas, on verra bien. Donc là en fait vous voyez, en appuyant sur R3 on peut faire une charge genre à moitié, tu vois, s'il y a quelqu'un, bah tu les tripes. Donc ça fait, j'adore ce jeu franchement, bah j'adore la bêta et tout. J'aime bien, là on est en mode conquête sur la map Sinai, c'est un désert quoi. Si vous voulez savoir comment on spot, je savais pas avant, tu vises puis t'appuies sur R1. En faisant R1 t'as des trucs. Tu peux faire Rogue Standard pour demander qu'est... Oh putain. Ton aiguille qu'est-ce qu'elle veut. Là, le truc se débloque au level 20. Plus de munitions. Voilà, bon, je l'ai défoncé en tout cas. Ninabo. J'ai besoin de munitions, gros. Parfait, j'ai des munitions. Ah le bâtard, il est avec son teint. Je suis dégoûté, j'avais toutes les munitions, il fallait qu'il y ait son putain de cheval là. L'autre fois, j'ai fait une partie il y a deux heures, quoi, j'ai pas filmé. Je suis tombé en tank, le tank c'est cheaté dans ce mode. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, c'est le heavy tank, pas les autres tanks, il est cheaté. Et j'ai fait 30 kills et je suis mort deux fois. Je voudrais bien vous montrer le lance-lame. Ah, ce serait cool quoi. Y'a un ennemi là quoi. Non, il est mort. Mais
Quoi? Ah d'accord. D'accord. Attends, il y a quelqu'un qui est à côté. Ah mais attends, mais en fait, il y a que moi. Tu sais, j'étais en médic et les médics, ils font rien. On va dire, tu vois, ils sont médics, mais ils respawnent même pas les gens. Ils font même pas leur travail. Donc ils devraient le faire, tu vois. Là, vous voyez, quand c'est une lumière, c'est en fait, c'est quand le mec il vise dans sa lunette, le sniper. Ça fait une petite lumière, c'est bien pour voir où sont les snipers, mais... Oh! Il s'est pris une de ses balles, il a rien compris. C'était violent, ça. Ça fait pas. Bon, comme j'ai pas de médic ni rien... Je vais réutiliser ça. Lui aussi c'est un... Moi je suis un quoi? Ouais, c'est aussi un assaut lui. Putain, mais quel bouffon, je me suis tué moi-même. Ah, quel bouffon. Ah oui, en fait j'ai tiré trop bas, vous voyez, et puis bah... Bah voilà. En tout cas, ce jeu j'adore, je vais faire une vidéo à peu près de 40 minutes. Pas de 50 minutes, ça fait trop long. Au pire, je vais faire 50 minutes, tu vois, mais bon, après je garderai que les meilleures séquences, donc je vais filmer longtemps. Eh mais putain, mais attends, mais ça j'aime pas trop cette arme parce que t'as vu, ça tire trop le tir, ça tire trop bas quoi. J'aime pas trop cette arme pour ça, tu vois. Oh non, bon j'ai réussi à le spot le mec, mais bon, je vais prendre ça, moi j'aurai un truc pour médic. Et en fait, excuse bien que le cheval, tu vois déjà ce qui peut sauter. C'est déjà qui peut sauter, voilà. Il a deux grenades anti-tank. Un truc pour les mules. Puis l'arme fait très mal, c'est un sniper, tu vois. Bon, c'est tout semaine dessus. Après, t'as une arme qui est trop bien. Non, en fait là t'as le... Comment ça s'appelle? Voilà, elle est bien en fait, à très courte portée, autrement elle est nulle. Tu vois, elle tire très vite. Mais elle a vraiment une basse portée quoi. Voilà, là tu vois elle est bien. Ce genre de situation, tu vois. Je vais rester comme ça. Ça, moi les gens me verront pas. Dans ce genre de situation elle est bien, mais autrement elle est très nulle. Comment je fais là? Putain, j'en étais sûr. Putain, est-ce que je les entendais? Je me disais comment je vais faire. J'aurais dû courir un truc du genre, tu vois. Parce que je suis pas hyper non plus hyper bon en Battlefield 1, tu vois. Ça va, je me débrouille. Je fais du 4-7, c'est pas top. Je teste cette arme là. Par contre, elle est trop bien de près. Oh là là, tu dégommes les ennemis quoi. Et normalement tu es dégomme. Lui il a le lance-flamme, tu vois lui. Après, par contre il y a un sniper, ça se voit, qui nous tire dessus. Il y a aussi ça. Vous voyez là c'est... Je vais prendre le scout. Mais voilà. Et on peut se faire tuer aussi pendant l'animation quand on rentre du camp. Ils sont très bien fait de l'animation là, mais on peut se faire tuer pendant qu'on rentre dans le temps, tu vois. Qu'on rentre dans un véhicule et tout. Et vous voyez, cette arme est bien, mais autrement, elle est bien que de près. C'est pas top. Parce que regarde, là en fait, regarde, tu vois, déjà là, tu tires juste tirer, juste appuyer sur la gâchette une fois, tu vois. Sur R2, quoi. Et je me suis déjà fait péter, quoi. Bon, voilà, moi, je suis dedans. Bon, j'ai pas le canon qui est bien, tu vois. Est-ce que je peux utiliser?
Ça, on peut se tourner avec la molette de gauche. Ah, fait chier. Quand tu recharges, tu fais X. Et voilà, et tu peux te prendre souvent. Putain, mais ça m'énerve ça à chaque fois. Bah oui, t'es une cible hyper facile pour les mecs, tu vois. Ah, je vais prendre la cavalier. Vous allez voir l'arme comment elle est trop bien. Allez. Je vais chercher eux là. Qui est tout en bas là. J'échangerai de mon cheval s'il faut, hein, mais. Parce qu'en plus, c'est trop bien cette classe que tu as. T'as le médic, puis t'as... en plus t'as le. Ça s'appelle t'as le médic. Et t'as l'immune et t'as une arme de sniper qui tout shot, tu vois. Bah one shot c'est un sniper sans la lunette, tu vois, c'est avec la mire. Regarde là en fait ça lance des mines. Là j'ai des mines, tu vois. Là j'ai des sons. Et puis voilà. Et après tu appuies sur triangle, tu vas avoir une autre arme. Mais bon, je préfère quand même le sniper. Hein. Elle est beaucoup plus puissante. Hein. Le pire, si vous l'utilisez, tu vois, tu descends le cheval. Et je me tâte à. Ah, le bâtard! Le mec, il m'a embroché, quoi. En fait chier. Vous voyez, moi j'ai une petite machette parce que je suis niveau 28 à pointe. Ah, machette, une massue quoi. Oh, mais putain, mais ça m'énerve, y'a que des campeurs. En plus, regarde les médics, ils viennent même pas te sauver quoi. Ils vont pas venir, hein. T'inquiète pas. On espère que dans le jeu en vrai ils viendront parce que là, c'est vrai que c'est pas bien joué ça, je trouve. Ils viennent même pas ni rien. Y'a le truc anti. Je vais essayer de le baiser lui. We have lost objective Dove. We have taken objective George. Ah, il est fort lui. La première fois qu'on me résiste avec ce truc, d'habitude je les tue tous. We have lost objective George. On va avoir un tank qui va arriver, je le sens bien là. Ah. Ah bah il est mort l'autre. Ça c'est obligé là. We have taken objective apples. Il y a souvent des snipers qui se cachent là-bas là. Quand je parle du sniper. Ils sont où? M'énerve les snipers parce que en plus avec cette arme, c'est une arme pourrie là. Je comprends, je vais changer d'arme. Ouais, il faut changer d'arme, c'est de la merde cette arme en fait, parce que tu vois, elle est bien de près, mais bon, autrement elle est nulle. On veut changer d'arme. Je préfère l'autre que j'avais avant. C'était beaucoup mieux. Et c'est quoi la expérimentale? Là, la automatique, elle est pas top, mais la expérimentale, je sais pas c'est quoi. La différence et tout. Ah, il y avait une arme. Ah d'accord, elle a un viseur, c'est pour ça. Bah l'autre avait déjà un viseur mais je sais pas c'est quoi la différence. Ah je peux avoir le lance-lame, je le veux. Ouais le lance-lame. Alors on est beaucoup plus résistant, je vais rentrer dedans. Alors, en plus c'est bien, je suis avec le mec. Je vous parle, mais vous pouvez me dire en commentaire ça à quoi ça sert les deux armes, la différence quoi. Là je vois pas trop ça sert à quoi, j'ai l'impression que ça tire à blanc. Ça tire pas tu vois. Là ça tire vraiment. C'est un fusil à pompe, je sais pas c'est quoi mais. En tout cas ce qui est bien avec le lance-lame, c'est que t'es plus résistant, t'as une armure.
Puis quand tu l'attaques, le mec, bah genre, tu vois déjà, il crame pendant longtemps, tu vois, donc ça le tue petit à petit. Bon, c'est assez rapide à tuer. Bon, ce qui est bien que t'attends, c'est par contre, faut être plusieurs, parce que si t'es tout seul, t'as qu'une vieille mitraillette devant, et c'est de la merde. Ah mais, arrête de bouger. Bon, il est mort en tout cas l'autre. Et ce qui attaque là? Faut nous faire tuer comme une merde hein. Allez. Oh là, bon, je l'ai tué lui au moins. C'est compliqué, c'est pas le meilleur tank celui-là. Bon, c'est bien pour les alliés, mais autrement c'est pas top hein. En plus avec lance-lame comme t'es gros bah tu cours pas vite. Donc à moitié si le mec il te lance une grenade t'es mort. Ok. Allez barre-toi. Qui nous a attaqué là? Allez. On est mort là. Quoi? Déjà d'où il s'est d'où il l'a tué déjà. Bon en tout cas j'en ai tué un avec le lance-lame, vous avez vu. Bon on a tué au moins, on a fait l'attaque order. J'ai pas pu tester ma nouvelle arme tu vois mais bon, bref. Je vais aller sur eux. En tout cas, je suis content, je vous ai montré le truc là. Je sais pas trop ça sert à quoi l'expérimental là, parce que c'est pas top. Elle m'a pas l'air top en fait. Tu vois. Donc, je sais qu'il y a un ennemi là. Et what? Tain, mais il y a des campeurs sur ce jeu, ça me saoule par contre ça. Regarde les mecs, ils restent là toute la partie. Hein. Ça c'est violent ça quand même, comment... Mec, ils restent là toute la partie, tu sais, ils en ont rien à foutre. Ou pas de vie. Tu vois? C'est embêtant, mais non, il faut qu'ils restent là, faut que je joue comme ça. Ça m'énerve toi. Ah oui, si vous inquiétez aussi, vous inquiétez pas, ma vidéo sera pas démonétisée parce que j'ai des gros mots. Regardez la vidéo de Steelers, vous comprendrez. C'est vrai. Ah d'accord, ah je savais pas ça. C'est un coup par coup. Ah ça tire que 3 balles. Ah ça c'est nul ça. Mais c'est nul. Ah je comprends d'un coup là. Ah je vais montrer le heavy tank. Vous allez voir comment c'est cheaté. Qui arrive à l'avoir. Alors déjà tu peux être 5. T'as un truc. Tu peux avoir ça. Tu peux... Comment ça s'appelle? Tu peux lancer le truc pour de... recharger. C'est avec ce tank que j'ai fait 30 kills. Voilà, vous voyez, je suis à 8-14, là, je vais vous dire, vous allez voir, tout remonter. Peut-être même faire gagner la game, tu vois. BAM. Prends-toi ça dans ta gueule. BIM. Ah, parce que je l'ai mis, quand même. Il m'en faut qu'il y ait un... D'accord, attends, c'est qui m'a attaqué, là? D'accord. Oh, ok. Bonjour. Bonjour. Alors le temps qu'il est avec nous, ça c'est cool, tu vois. Déjà l'avion, tu vois, si ce serait pas avec nous, on serait baisé déjà. En fait, l'avion, c'est quand tu vois, on perd. C'est pour aider un peu l'équipe alliée. Bon, je sais pas trop comment ça marche pour le spawn. Faudra m'expliquer ça. Si vous pouvez me dire en commentaire comment ça marche, pourquoi il spawn et tout, j'ai pas trop compris. Même l'artillerie, j'ai pas trop compris. Bon, je vais réparer. Tu fais L1 si tu veux réparer ton tank. C'est bien pratique ça. Ah, voilà, je vais le réparer complètement.
Parfait. Et voilà. Tu fais L1 et tu bouges avec les souris, tu vas pour. Bah, personne avec moi dans le tank, mais là vous inquiétez pas, hein, je vais faire du grabuge. Oh déjà j'ai vu un tir. Alors ça c'est un sniper ça. D'accord, il y a un tank. Ok. Alors non, je me ferai pas tuer comme ça. Ah le bâtard de merde! Putain le mec quoi, ce qu'il m'a fait là! Je pouvais pas réparer mon tank! C'est quoi ce délire quoi? Attends, je vais exploser la gueule en plus. Ah, je me fais défoncer aujourd'hui, hein, c'est pas possible. Comment tu veux qu'on réussisse? Y'a un putain de sniper qui me regarde depuis tout à l'heure, là il veut me tuer lui. Bon, moi j'ai tué avant qu'il tue un autre personne, tu vois. En fait elle est pas mal, en fait j'ai de la merde, elle est pas mal cette arme. Peut-être pas de très portée parce que, bon elle est bien pour viser quoi en fait, tu vois. Moi elle est pas top hein. Oh non, je rendis. Elle est pas mal, elle fait beaucoup de dégâts, tu vois, donc c'est bien. Je fais ça parce qu'il y a un sniper qui me suit depuis tout à l'heure. Je sens un mec qui veut me tuer. Là il va me tuer. Il me regarde depuis tout à l'heure. Ah, je me repasse une balle, je me sens bien dans la tête. Là il doit attendre que je pars, mais comment je fais? Je vais vous montrer la fatalité. Voilà. Il met les bonus. Allume un petit truc là. Voilà, j'ai. Je voulais faire une charge, bon je sais pas, ça a bugué un peu. Enfin, le truc bug un peu parfois. Hein. Bon, là, ils l'ont tué en tout cas, donc c'est parfait. On peut remonter, hein, ou pas, mais bon, au moins je peux faire une petite game, tu vois. Ah, je suis le premier de la game. 14-15, c'est pas mal. En fait, je retire ce que j'ai dit. Comment ça s'appelle? Ah, c'est quoi ça? Lean Right? Pas forcément, ça m'a dit L2 Lean Right, donc je sais ma grenade pour rien. J'ai envie d'aller tuer ce campeur depuis tout à l'heure, là, qui me regarde avec là, mais. Pas être loin de là. Il est où? Depuis tout à l'heure il me tire dessus là, mais il est où? Ah j'ai plus de mine, d'accord. Ah le bâtard! Il m'a eu par derrière celui-là. C'était le campeur.
qui n'est plus là. Il s'est fait voler. C'est genre une grosse machine gun que t'as. D'accord. We have taken objective Edward. Eh, je veux l'artillerie truck, il est trop bien ce truc. Ce truc c'est de la vie hein. Ce truc c'est trop bien. En plus je peux me réparer en roulant. Eh ça je savais pas ça. Parce qu'en fait vous voyez, ce truc c'est trop bien. En fait vous voyez, là déjà je peux lancer des petites... Genre à moitié vous voyez des... C'est des explosifs que je peux lancer. Là j'ai lancé des explosifs tu vois. Là en fait j'ai un lance-roquette. Qui opère, j'ai ça. C'est trop bien. Vraiment. Bon, il a pas de blindage tu vois. Il a pas beaucoup de blindage. Autrement il défonce tout. Par exemple ça je vais le défoncer ça. Tu vois. Mais il est complètement con l'ennemi, hein. il a enlevé le truc. Bon bah 2 kills easy quoi. Pourquoi je peux pas capter G là? Il y a quelqu'un qui est là. Ah oui d'accord, il est, je l'ai pas vu lui. Bon bah au revoir. Oh c'est tellement violent. Et si un tank va sur mes trucs là que j'ai mis là, il explose, hein, mais vraiment violent. N'importe quel véhicule, il se fait. Ok. Ok, si tu veux, mec. Ah, je me suis ramassé un truc. D'avancer en reculant parce que je savais pas qu'on pouvait avancer en reculant. Quoi, je veux dire sur les autres trucs on peut pas avancer et se réparer. Là dessus on peut, c'est cool. Et là on va gagner je pense hein. C'est qui m'a attaqué là? Un ennemi? Ah oui d'accord, c'est ça. Au revoir. C'est tellement cheaté quoi. Ce truc est surcheaté. En plus t'as une grosse visée tu vois. T'as une bonne grosse visée sa mère. Avec le... quand tu fais triangle tu vois. Oh parfait. Maintenant je vais chercher C. En plus tu vois je peux lancer des... va dire s'il y a un temps qui se rapproche, je lance ça il va se faire péter. Là je le pèterai avec mon petit rocket. Donc c'est pas mal d'avoir ce truc. Oui je suis déjà à 4-0 là. Bon c'est pas aussi pire qu'avec l'autre tank. Mais voilà. Bon je vais au moins toucher. Boum! Espèce de campeur de merde. J'ai tué le vieux campeur de merde là. Au revoir. Pas que je me fasse voler par contre, mais je vais piquer lance-lame. Oh c'est bon, parfait. Oh je les viole là par contre. C'est tellement cheat. Ce truc est cheaté, sauf quand il y a un autre tank, parce que les autres tanks il se fait péter par les autres tanks. Mais bon après comme il y a des bombes, c'est vrai qu'il peut les exploser aussi. Ah, 97. Et bah il doit être là. Même pas. Il est où?
Ah d'accord, il est là-bas. Oh, par contre, ce qui est bien... Ah bah tiens, voilà. On ne veut pas que je me fasse bloquer moi-même. Ce truc est pas mal, hein. Vous voyez, là c'est vraiment cheaté, je suis à 11-0. Hein. Ce qui est bien, tu vois, c'est que les mitrailleuses plus le roquette que je peux utiliser moi-même, tu vois. Bah, lance-roquette, j'en suis au but, quoi. C'est genre un canon de char, tu vois. Quoi. Je vais essayer de me mettre. Bon, ça va, le truc déjà anti-aérien va le péter. Je vais aller où j'ai. Où il y a du monde, à ce que je vois. Je vais me barrer parce que le train va me défoncer lui. Ah, c'est ce que je vais faire, je vais mettre des trucs anti-tank. Des mines. Faut que j'arrive à le mettre. Hein. Sur le chemin de fer. Faut que j'arrive à le faire bien. Oh, s'il passe dessus, bon, on sera défoncé. Elle est bien là-bas. Je défonce bien ce truc. Bon, je me fais plus défoncer qu'autre chose quand même, mais bon. We have lost objective apples. Merde. Oh, mon dieu. Là, je fais péter, là, je suis mort. Je fais le fou, là. Je fais le gros fou. Mais là, en fait, il revient sur ses pas, il va se faire défoncer. J'ai mis 4000. Il va se faire défoncer. Là, je peux le tuer, le truc, hein. Là, vous voyez, j'ai le tank, je suis en train de me battre contre l'avion, le train, non mais... Le train, il va se faire défoncer s'il revient. Normalement, parce que les mines sont bien placées, là, et tout. Là. We have taken objective dark. Quoi, je l'ai loupé? En fait, il est pété le tronc. Allez, viens là-bas. Bon, moi, je l'ai... Attends, mais je lui... il est à 19, mais je lui ai mis tellement de trucs dans la gueule.
C'est quoi ce délire là? N'importe quoi. Bref, je vais vous montrer le heavy tank qui est pas mal aussi. Celui-là qui est cheaté. Bah celui-là auquel j'ai fait 30 kills quoi. Ah il est là. Et voilà. Ce petit campeur. On va aller chercher des. Mais le. Il est toujours pas pété mais. Et là regarde, il est en train de cramer le. Ah voilà, il est enfin mort. Il est enfin mort. Bon, lui est mort, il se fait défoncer la gueule. On va chercher F maintenant. Ouais, c'est parti. Oui, il y a un petit tank. Je te vois. Voilà, au revoir. Ouais, c'est bien cheaté. Bien cheaté. Toi, j'ai troulé dessus, toi. Tu vas rien comprendre. Au revoir. Au revoir. We have lost objective dark. Eh mais oh, le truc m'est rentré dedans quoi. Au revoir. Oh putain, c'est tellement cheaté quoi. Car tu as 21. C'est trop cheaté. Sauf après, c'est bon cheaté quand il y a des trucs. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un là. Le double kill quoi. De la mort. Faut dire que je les défonce hein. Ah y en a un qui se ramène. Ce que j'ai vu. C'est vrai que c'est énorme. On est trois là. Ah, ça commence. C'est qui me bombarde? Je vais pas nous faire péter comme ça, c'est chiant. Oui, il y a que le sur le temps qu'on peut avancer en même temps. Parfait. On va chercher G maintenant. Faire gaffe avec, aussi j'ai un écran de fumée avec la touche de droite. Après faut que je vois ce qui m'a tué tout à l'heure. Qui m'a plutôt tiré dessus. We are losing objective Freddy. Je viens prendre def et on le perd. Hein. We have lost objective Butter. On va royal chercher direct. Hein. Voilà. Un moins. On ne m'échappe pas moi. C'est qui m'attaque là? Eh toi t'es qui toi? Alors déjà toi t'es qui toi? Ok. On va me casser les couilles les. Bâtard. Je suis un peu taré sur ça.
Voilà, une terrasse. J'étais obligé, hein, le mec il me faisait que de me faire chier là. J'étais obligé. Hein. Je vais pas me coller quand même. Ah, il va prendre l'artillerie truc, ouais, c'est vrai que c'est bien. Quoi? Y'a quelqu'un dedans là? Au revoir. Je pensais qu'il allait le prendre moi, mais non, non, non. Oh voilà, j'ai à 300 points on gagne, donc après, bah, après ça, je vous laisserai. Je sais pas si je vous laisserai. Oh si, je vous laisserai la vidéo comme ça, ou non pas comme ça, je couperai des petits moments et bon, ça fera 40 minutes de vidéo à peu près quoi. Et voilà, c'est cool autrement. Alors, est-ce que je peux rentrer? Je crois pas. Hein. Ah merde, je vais commencer. J'en ai marre de jouer avec ce tank là. On va un peu le jouer normal. On va un peu la jouer en mode Battlefield, tu vois. L'arme qui kill ma part. Bon voilà, c'était bien cool. 25-1, je suis le meilleur de la game. C'est bien cool. Le mec a fait 25-21, moi j'ai fait 25-1. Je suis mort une fois. Ah, normalement j'aurais dans le scoreboard. Hein. Kill death ratio. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, d'habitude à vous abonner, ciao et peace, dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez d'autres vidéos sur Battlefield 1. Donc voilà, partez au bien, peace, et à bientôt vidéo sur ma chaîne. There's nothing but darkness left here. Shake it off and let's take a ride. Cause heaven's not far away. And I'm not gonna leave you here. Let me take you in the